Ça arrive des... Attention, ils peuvent prendre l'avantage. Attention, ce n'est pas terminé. Oh là-bas, attention, ça continue. C'est rageant, mais c'est pas bien grave. Si cette équipe veut gagner ce match, le prince. L'occasion de prendre l'avantage. Et le but, l'ouverture du score. Excellente entrée en matière. Numéro 17, Raphaël. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. Jones. On va construire en passant sur les côtés. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Ouh, attention à ne pas faire de bêtises. Jones. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Ah, cette attaque qui avorte finalement. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Ouais, la faute, mais ça joue, dit l'arbitre. Et qui peut toujours revenir à la faute si ça donne rien. Haute garde. Jones. Haute garde. Jones. Allez, René qui se régale, qui nous régale avec cette belle séquence de passes. Ah, la mauvaise passe, et c'est rendu direct à l'adversaire. On a décidé de faire du pressing, hein, regardez. El Charaoui. Il va y aller. Le Paris Saint-Germain qui marque. Bien pour le Paris Saint-Germain. Le numéro 17. Et les voici donc avec deux buts d'avance, 2-0. Haute garde. Jones. Avec haute garde. Peut-être une bonne opportunité, attention. Et finalement, ils perdent ce ballon. Bonne lecture du jeu, hein, sur cette interception. Oh là là, l'occasion. Et normalement, parfois, en tout cas, les buts appellent les buts, Pierre. Il est devenu un peu gourmand, et puis je m'y connais. Puis le triplé, ce sera pour plus tard. Il n'y a pas beaucoup d'espace, hein. Jones. Ah, sans complexe, l'équipe visiteuse qui fait du pressing maintenant. Oui, parce qu'elle sent sûrement que l'adversaire a trop de liberté dans la construction de son jeu. Le ballon rendu à l'adversaire. Jérémy à Saint-Just. L'arbitre qui siffle le coup franc en faveur du PSG. Raphaël Léo. Ah, il y a beaucoup à jouer là, il n'est pas tout seul. Il essaye de trouver la faille. Ouais, ça presse haut, attention à ce ballon. Il va être à bout portant. Oh, elle est pas passée loin. Le Stade Rennais qui ne marque pas de but, mais il n'en encaisse pas non plus dans cette première mi-temps. Haute garde. Ah non, le ballon est perdu. James Tavernier.
On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Et ils sont à la récupération. Allez, oui, il va y aller. L'action qui n'est pas encore terminée. Une première période qui vire à la démonstration. Jones. Odegaard. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. On perd le ballon. But pour le Paris Saint-Germain. Le numéro 11, Wilfried Les joueurs qui viennent de donner le coup d'envoi de la seconde période. C'est pour l'instant le Paris Saint-Germain qui est devant. Gertruida. Ça va être difficile quand même pour les joueurs de voir un public aussi éteint dans les tribunes. Ouais, très difficile même. Enfin bon, techniquement ils sont dominés, moralement c'est guère mieux. Le match est en train tranquillement de virer au cauchemar. James Tavernier. Mikritza. Gertruida. Oh, le geste technique. C'est magnifique. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Perdu. Le ballon change de camp. Ce ballon qui est dégagé par le gardien. Odegaard. Oh, ça aurait pu passer, mais l'action n'ira pas plus loin. Interception. Il se dispute ce ballon. Et ce ballon qui est perdu. C'est dévié en touche. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Jones. Petit Yann est attendu par sa maman. Bonne intervention. Intervention parfaite. Hein. Bonne anticipation. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Wilfried Zaha. Allez, après tout, pourquoi pas. James Tavernier. Ballon perdu par les Parisiens. Ils mettent un pressing là sur le gardien qui est en difficulté. Wilfried Zaha. Ouais, l'arbitre a sifflé hors jeu. Hors jeu. Jones. Odegaard.
On va construire en passant sur les côtés. Jones. Martin Odegaard. Et il gagne quelques mètres. Elle attaque enrayée. Phil Foden. PSG qui perd ce ballon. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Oui, la faute signalée et sifflée. Avertissement sans frais, hein, finalement. Il s'en sort bien. Hein. Si tu veux mon avis, l'arbitre a dû être extrêmement clair avec lui. Hein. Et le gardien qui peut se saisir du ballon sur ce coup franc. Phil Foden. Raphaël Léo. Ballon perdu par les Parisiens. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Ça, c'est pas très bien joué. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Vinicius Junior. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Ça n'ira pas plus loin. Oh là là, l'occasion. Et c'est un but. Garde le cap, bien installé là-haut sur son petit nuage. Ouais, très fort ce qu'est en train de réussir le PSG dans ce match. Pour un peu, j'aurais presque rien à lui reprocher, c'est de dire. Ça part bien, action dangereuse. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Allez, il se pose pas de questions. Long dégagement. Cherche la faille dans la défense adverse. Il faut qu'il centre maintenant. Le gardien qui repousse. PSG qui perd ce ballon. Cherche une solution là. Tentative de loin. Voilà, belle intervention du gardien là pour écarter le danger. Ouais, il n'a pas hésité à y aller à fond, c'est bien. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Ouais, du point, le gardien. Voilà, la fin de la rencontre. Et donc, cette défaite à domicile qui est scellée. Ouais, ça alors, c'est une défaite qui fait mal. Hein. Il va falloir digérer tout ça et se remettre rapidement au travail. Hein. Commencer déjà par arrêter, par prendre des buts. On a tout de suite senti qu'il pouvait réaliser un grand match. Et ça a été le cas, vraiment. Hein. Il est pour beaucoup.
sûr de prendre l'avantage. Et le but, l'ouverture du score. Excellente entrée en matière. C'est donc l'ouverture du score. Il va y aller. Le Paris Saint-Germain qui marque. Et les voici donc avec deux buts d'avance, 2-0. Allez, oui, il va y aller. Action qui n'est pas encore terminée. Oh, oui, but! Oh, il y est! Oh là là, l'occasion. Et c'est un but! Flavor Kool-Aid, and they'd be like a billion Kim K's. I've been saying, oh my God, you've been blaming all your cards. I've been running all my life. Tell me what's to know about sacrifice. Well, you was getting taking long vacations. I was on my grind. Dedicated fat cats on the with the TV and lasagna. I'm the Bill Montage, tongue like a katana. Do it for the kids and you do it for the honeys. For a little bit of this and a little bit of money. My old friends, they be criticizing. She really changed who the think she is. Why she got no wedding ring? Even the good ones, they always say, when you gon' give up, live the right way. Like, why you gotta go and do me like that? Call me right back, cause I was born for this. And I would sacrifice you like the kid in the glasses from Lord of the Flies, boo. All the places that I wanted, all the friends that I forgot. Tell me how to live my life. What's a noble sacrifice? I've been saying, oh my God, you've been blaming all your cards. It's been a pain, it's been a minute.
How you look like that? How do you look like that? Huh? My bed lays desolate and my head stays twisted. I'm the prototype of an outcast on my Jackson. Ain't seen my missus. Been on my jacks. And I see my woes. It's a shame the way the saying goes that you're in bad company when you're alone. Well, I'ma pull up every memory on my English rose. While the sky turns blosser further, I'll get lost in your nine letters. Your nine letters. There's no need to be cryptic, addicted to missing a point, cause I know that I'm better. I'm better. When you're there beside me. Side, dust from the dashboard. Pink sky, white light, fiasco. But it's been a pink. I just wanna hold your hand. It's been a minute, wishing I could understand. It's been a pink. I just wanna hold your hand. It's been a minute, wishing I could understand. That I gave up. When was the last didn't have a time? Me. When was the last I was so busy. When was the last I didn't chase the clock. When was the last that time? I felt a lot. When was the last ate that free on the truck. When was the last time that I held your hand? It's been a-